dans le Congo central, le processus du dialogue tel que souhaité par le gouverneur Matou Bouana vient d'être lancé. Déjà ce mercredi, plusieurs personnalités politiques ont eu des échanges avec le chef de l'exécutif provincial, entre autres l'élu national de Kimvula, le député Tony Kikoka. Ce dernier prône et milite pour la paix. Des bâtisseurs de la paix et de la cohésion, ainsi que l'harmonie au sein de la province. Nous ne trouvons pas fondé que cette province, qui est une province stratégique de notre pays, puisse continuer à patiner et que entre les deux grandes institutions de la province, il règne un climat malsain qui ne favorise vraiment pas l'atmosphère du travail. C'est bien regrettable. Voici un an à peu près, depuis que certains incidents sont survenus au sein de la province et qui font que les deux autorités de la province, notamment le gouverneur de province et le président de l'Assemblée provinciale, se sont éloignés l'un de l'autre. Je ne vois pas une autre piste de solution que le dialogue, que je ne vois pas. Nous sommes des enfants d'un même père et d'une même mère au sein de la province ici. Quand quelque chose ne va pas, nous devons recourir au dialogue. Nous devons nous parler entre nous.